Une coopérative agricole est un organisme reconnu par la Fédération des COP de France comme étant un organisme qui permet de faire de l'activité agricole. Et c'est un regroupement de différents agriculteurs qui s'unissent au travers de cette structure pour faire des activités et nous sommes prestataires de services au profit des agriculteurs associés. La coopérative a été créée en 2010 et notre activité sur place a démarré en mars 2012. Alors sa coopérative est un choix vraiment volontaire parce que le groupe des agriculteurs avait besoin de donner un signal fort au niveau de la coopération, puisqu'il y a le mot agricole dans notre union, mais c'est aussi au travers et surtout en vision de nos consommateurs. Nous sommes agriculteurs, nous sommes réunis là-dedans parce qu'il y a des moyens très forts, nous sommes unis financièrement pour 10 ans minimum, donc on ne quitte pas le bateau, on est obligé de faire avancer ensemble. Pour nous, le premier objectif de la coopérative, c'était d'être présent sur un marché supplémentaire que sur les marchés locaux à Strasbourg et dans les supermarchés. Ça nous permet aussi de mieux sécuriser la vente de nos produits, être moins lié à la météo, donc au niveau pluie, gel, et être vraiment dans un mouvement coopératif, être ensemble, avoir tous la même idéologie de nos produits fermiers pour les présenter aux consommateurs. Au jour d'aujourd'hui, je produis les fruits et tout ce qui est jus de fruits. Ça m'a permis aussi sur mon exploitation de prévoir l'installation de mon fils, puisqu'auparavant je vendais effectivement tout à une autre coopérative en fruitière. Et aujourd'hui, le fait d'adhérer à Opla me permet de mieux valoriser mes produits et d'envisager l'installation de mon fils d'ici 2-3 ans. La coopérative Opla a un but très simple, donner les moyens aux agriculteurs adhérents sociétaires de commercialiser leurs produits tous ensemble sous le même toit, sous forme d'enseigne. Opla est aujourd'hui reconnu comme une enseigne et vous avez en dessous un espace qui est totalement partagé pour les différents producteurs associés. Nous sommes 15 associés et nous avons également d'autres agriculteurs qui nous rejoignent. Nous sommes aujourd'hui 22 producteurs dans le magasin. Et cette coopérative, pour faire fonctionner cette coopérative, a créé de l'emploi. Et aujourd'hui, nous avons 16 emplois, 16 CDI dans le magasin qui nous assistent et nous permettent effectivement de commercialiser nos produits tous les jours. On vient toutes les deux semaines, voire trois fois par mois. On remplit toujours le caddie plus qu'on en a besoin, je dirais, parce que c'est très attrayant et c'est visuellement, c'est bien fait. Des produits qui attirent l'œil et qui sont frais. Alors aujourd'hui, le rôle et l'essence même de Opla, c'est la confiance. Vous avez ces permanences assurées par les producteurs. Donc il y a une vraie recherche d'informations. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Et c'est ça qui donne le mot pour l'avenir de Opla.